Moitié, parce que là-bas au fond, on va mettre tous des armoires pour le groupe d'intervention rapide. C'est des types qui sont censés venir en moins d'une heure, on part, tout équipé. Donc eux, ils ont aussi en plus du matériel supplémentaire de détail. Et puis ici, ben, là c'est déjà préparé pour l'entrée en service des gens la semaine prochaine. Ah ouais. Puisqu'ils ont, ils ont tous, on a toutes les mesures, longueur, largeur, hauteur, de chaque homme. Puis la formation, quand là, ils arrivent, ils sont prêts. La formation pour un gars qui veut venir à la PSC, ça se passe comment? Alors d'abord, il doit aller à Lausanne faire le recrutement, 3 jours. Et puis après, il va choisir dans quel service il va aller. Et après, suivant le service, par exemple, préposé aux constructions, il fait 1 semaine de formation de base. Puis après, il fait 1 à 2 semaines de formation de spécialiste pour, typiquement, un préposé aux constructions pour aller s'occuper des ventilateurs, s'occuper des moteurs et tout. Ouais. Voilà. Puis là, c'est un peu mélangé, ça, pour un truc qui est pompier. Ça, c'est l'avantage ou les avantages. Avec la grande visagère qui descendait, celle-là, on les a changées pour que ça vienne maintenant ceux-ci. Et puis ceux-ci, bah, écoute, 35 francs pièce. Donc, c'est un casque pour juste qu'on a quelque chose sur la tête. Et on est en train de changer maintenant avec les nouveaux casques F2, mais ça c'est 250 balles pièce. Donc. C'est une autre qualité. Ouais, mais j'ai 300 hommes là. Mais c'est imposé j'ai 300 la... pionniers, j'arrive pas à faire aussi. Ça pour le moment. C'est imposé par la Confédération, l'équipement, ou bien c'est qui décide? Celle-là marche bien. Hein. Les autres c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même, repris l'état des communes qui n'était pas forcément le NEC. Donc maintenant ça commence à aller mieux, mais ça fait 2 ans, mais ça c'est compliqué. Moi j'ai pas mal de cadres de Martigny qui sont ou à Ride ou à Relève. Parce qu'il n'y a pas. Le chef d'époque il est parti avec ses hommes. Voilà. Pour amuser les enfants, alors on a 2-3 peluches, on a des autres dans des caisses, on a des jeux de société, etc. Donc là maintenant ça marche bien. Mais il a fallu du temps. Mais là, l'équipe, ils sont prêts, c'est en ordre. Et tout ça, ça reste sur le plan national, ça ne va pas partir à l'étranger si vous devez intervenir une fois, je ne sais pas. Alors nous, on pourrait aller en France et en Italie, mais bon, en France, c'est super compliqué, parce que pour aller planter un clou en France, en uniforme, il faut aller chez le préfet, et après, il faut partir chez le commandant de région, etc. Ouais, puis ils sont meilleurs que nous, quand même. Aussi. Par définition. Aussi. Parce que moi, j'ai dû me préparer l'intervention sur... parce que si il y a le col des montées, il y a une avalanche au col des montées, etc., ben on a Valenciennes qui est tout seul. Donc ce sont les Suisses qui ont travaillé chez eux. Donc il a fallu commencer à négocier, c'était un enfer. Et puis après, ben, il y a encore un autre, il commence avec des abréviations qu'on ne connaît pas. Ouais. Puis après, on a des raccords pour les taux de bombes qui ne sont pas les mêmes que les Français. Non, mais c'était juste... ça prend de la gueule, on est longtemps. Et après, on en parle aussi. Par contre, les Italiens, ils m'en viennent. Ils ne discutent pas. Mais c'est la même chose pour eux qui viennent chez nous. Donc là, on n'a aucun problème. On passe le col, on passe le tunnel. Mais les Français, c'est un peu plus compliqué. Alors voilà, ça, c'est un des bureaux d'un... Non, puis ils ne le donnent pas. Hein. Mais on aurait exclu. On aurait pu te fournir, en parenthèse. Et puis, parce que nous, ils donnent. Ah ouais. Et puis nous, on voulait absolument ça parce que moi, je continue avec Avitel, donc le système de fil. Et puis je dis, en cas de catastrophe, il n'y a plus d'électricité. Comment on fait? Mais ça continue à fonctionner. Ouais. Ah, voilà. Donc ça, on l'a eu maintenant. Celle-ci, il peut toujours essayer de la récupérer. Il n'y a plus. Bon, ici, dessous, qu'est-ce qu'on trouve, à part cette vieille grille? Bon, on trouve des téléphones ISDN, donc elle est informatique. On trouve là où vous avez l'antenne Swisscom, ça veut dire que dans cet abri, partout, vous êtes en réception maximale. Swisscom. Orange, il aura un peu de peine parce qu'ils ne prennent pas le même chemin. Donc ça, c'est bon. Ça, on garde parce que tout le bâtiment, il est relié à la même chose. Donc il suffirait que je tire les lignes partout. Là, je crois qu'il n'y a que 5 postes, mais on pourrait aller dans tous les bureaux, on a déjà tout prêt ici. Là, c'est pour aller dehors, ce téléphone, etc. Ici, c'est tout ce qui est l'électronique du bâtiment. Donc, toutes les pièces sont codées la même chose. Là, on a deux systèmes sur la prise blanche, là.
Il y a d'un côté pour le téléphone, d'autre côté pour l'informatique. Ici, dedans, ça rentre en fibre optique. Et puis après, tous les bureaux sont codés. Donc on peut, dans n'importe quel bureau, ou téléphoner en informatique, avec une adresse IP. En numérique, oui. Ou avec informatique, ordinateur. Donc les data sont transmissibles et tout. Tout. D'ailleurs, je vous montrerai là-bas, au niveau du post-commandement. On a des systèmes maintenant, on a une adresse FTP sur Internet. Si on est sur un lieu d'intervention, on balance tout par Internet sur ce compte. Et puis depuis le bureau là, on récupère les photos. Donc ça veut dire qu'il y a une TPY en direct. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis on a on travaille même maintenant avec les webcams, avec Skype. Et puis directement depuis le poste de commandement extérieur, on peut se parler ici dessous. Ou le conseil communal, qui n'a rien à foutre, les politiciens en bas avec nous. Donc eux, ils restent dans leur bureau, et puis on leur montre. Donc on coupe le micro, comme ça ils nous... Hein, puis on peut faire notre travail, tout d'un moment, vous avez quelque chose à dire. Oui, non, on ferme, c'est fini. Ça marche bien. Mais dépendant de ça, électricité, dépendant de tout. Oui, si, ben, c'est une ventilation, hein, c'est tout vert. On n'a pas de temps. Ordinateur, gros machin. Ah, c'est chelou. Au cas où. Ouais. Il doit y avoir trois ventiles, trois filtres. Trois filtres. Deux. Il s'en dit de ce bout, là. Non. Non, non, ça c'est la prise d'air extérieure pour les ventilations. Là, vous avez la réserve d'eau ici derrière le bâtiment, 40 000 litres, je crois. Et tout est super moderne. Donc ça filtre tout ce qui est toxique. Tout. Tu as remarqué la manuelle ici. Voilà, et puis c'est figé au sol. Hein. Oui, ils ont mieux. Figé au sol. Et puis les grands docteurs, là, ils n'ont rien trouvé de mieux quand ils ont amené le machin, le débat, ils ont enlevé ceci. Ils ont tiré comme des sous, ils ont pété ces trucs. Bon, ici c'est où on a tous les stocks. Tous les livres qu'on a, qu'on change chaque 2-3 ans ou chaque 10 ans. On revient pour le midi. On avait tous les jaunes, après c'est mis en orange, puis maintenant ils commencent déjà les nouveaux documents d'instruction qui n'ont plus rien à voir avec ça. Donc c'est tout le temps un truc plus un truc plus un truc plus un truc. Et ça, c'est toujours l'entraînement pour les pompiers. Donc ici, dedans, on a tout ce qu'il faut et toutes les liaisons possibles et imaginables. Des radios normales, les radios 160 MHz, radio protection civile 80 MHz, radio feu, ça c'est radio police, donc le 400 MHz, police communale, radio feu normale, et puis après ici, on a directement pour Polycom. Je n'ai pas encore reçu la radio, mais ici c'est prévu Polycom. Ce qui veut dire qu'on a tout le dispositif qui est prêt ici dessous. Polycom, tu comptes sur tout. On arrive en station. Mais c'est Polycom, pas celui qui a 15 ans en arrière. Hein. C'est le nouveau Polycom qui arrive du mois de juin. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a la différence avec l'autre, je ne peux pas vous dire. Depuis le début de la construction, ils ont fait des sacrés investissements. Ici, il y a beaucoup. Il n'y a pas eu de liaison. Et c'est approximativement le coût de la transformation. Un million. Un million. 980 000. Bon, ça a moins dépassé qu'à Sochi. C'était un poste sanitaire. Dernier ferme. Dernier ferme. Il a été supprimé parce qu'on ne s'occupe plus du sanitaire. Ce qui est pas mal. T'as vu toutes les prises, projet. Hein? Toutes les prises sont EMP quand c'est. Ah, ouais. C'est l'enseignement. Donc on a. L'acquisition radio, téléphone, ici, mettre sur les cartes, etc. Donc maintenant que Berne est passé, je vais péter un vase mur. La partie ici, on va démolir. Comme ça, ben, on a accès direct aux radios. On arrête de se marcher dessus. Voilà. Donc ici, les acquisitions, elles sont de deux manières. Mon ordinateur, il est là. Donc l'ordinateur, normalement, il est ici. On a un client qui fait ici tout sur ordinateur, donc depuis là, on a directement le bimère qui est caché quelque part pour pas qu'on le pique. On va le fixer au câble et puis c'est projeté là. Donc
directement par informatique. On a un autre qui est là-bas, qui peut le faire sur le smartboard. La même chose, un mimaire qui projette l'image. Le smartboard, on décide, bon, c'est informatique. Et puis après, pour savoir de l'autre côté, ici, on devra avoir... On a simplement un commutateur qui dit, ben maintenant, tout ce qu'on a sur cette image, on la projette de l'autre côté où il y a les gens du post-commande. Et puis on a encore, si c'est que Martin, c'est ça. Mais si c'est, on est à l'extérieur, on n'a pas de carte de l'extérieur, c'est tout informatisé. Comme ça. Ben, typiquement, ces panneaux-là, c'est moi qui les ai créés. Donc maintenant, ben, ils vont être donnés à Sion. Parce qu'on peut faire plusieurs choses avec ça. On peut écrire dessus, on peut mettre quelque chose, c'est magnétique. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et puis comme ça, c'est des tableaux obligatoires. C'est des tableaux qu'on doit absolument avoir. Donc voilà comment ça se passe. Alors là, on a la même chose. Hein. Bon, cet ordinateur, comme je vous ai dit, c'est l'autre côté qui va. Hein. Non, on travaille seulement avec le portable. Là. On a les portables de protection civile. Moi, j'ai le mien en haut. C'est celui-là qui viendrait là-dedans. Parce qu'il faut quand même de la puissance. Ça, c'est un vieux machin qui marche tout seul. Alors, il peut tomber, il ne casse pas, c'est un vieux truc. Donc, on a des portables un peu plus précis et plus puissants. On fait simplement poser ici le portable avec une caméra à grand angle. Ça veut dire que même ceux qui sont là, on les voit. Projeté au bimère. Donc, au bimère, nous, on voit la personne avec qui on pose. La même chose qu'on voit à l'écran, on voit ici. Et puis, eux, ils nous voient et ils nous en parlent. Donc, ça marche pas mal. Ça devrait. Voilà. Ici, vous voyez, ici, ce sont les titulaires fonctions qui sont autour de la table. Et puis, quand on doit changer, ou bien quand on met d'autres personnes, on a les remplaçants qui sont là. Donc, on a tout le temps, c'est toujours tout prêt, on sait toujours avec qui on pose. Parce qu'à certaines fois, on a des gens, on a l'ingénieur, le géomètre, c'est pas qui, avec qui il parle. Mais là, il vient, ils trouvent tout de suite. Les positions sont très précises. On n'a pas mis comme ça parce qu'on a envie de mettre comme ça. On a mis, ben, par exemple, le policier, il est toujours à côté de la logistique. Chef de l'APC, maintenant, on doit modifier un petit peu, puisque l'APC n'a plus rien à foutre au niveau d'un état-major de conduite. L'APC, ben, elle vient, ferme à la porte, je rentre, je dis qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux ça, ok, je viens. Je fais exactement comme l'armée. Exactement comme l'armée. On arrive, on se met à disposition, puis on dit sans quoi faire, sans quoi pas faire, on va réussir. On reste plus là autour de la table, c'est terminé. L'état major de conduite, il y a une formation qui est donnée. Oui. Ils suivent une formation. Alors il y a deux choses. Il y a celui qui commence, il vient ici, il va aller dans la Grône un jour ou deux jours, suivant sa fonction. S'il est dans la formation, s'il est... qu'est-ce qu'il y a l'autre? Dans les finances, etc. Là, il a un jour de formation ou deux à Grône. Puis après, c'est ici. C'est deux jours par année, obligatoire. Mais ce sont tous des chefs de service de la commune. Donc ils n'osent pas dire « je viens pas ». Parce que moi, chaque fois que je les convoque, je ne peux plus au patron. Donc ils sont obligés de venir. Donc ça veut dire deux fois par année, une fois le matin, une fois l'après-midi, ça dépend, une fois l'autre. Et puis la formation, c'est moi qui la donne. Parce que moi, comme formation, je suis instructeur fédéral en gestion d'événements majeurs. Donc maintenant, j'arrête, parce que j'ai fait 7 ans, ça suffit. J'attends, normalement, je devrais passer sur le dernier cours possible, c'est chef d'état-major. Donc ça veut dire aller en dessus pour faire la création des catastrophes pour former les jeunes. Donc ça, c'est prévu cette année, normalement. Donc après, nous, c'est formé ici. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on va venir ici pour faire cette formation, pour voir comment est-ce qu'on fonctionne, monter, ils ont déjà quelque chose, mais en général, les grandes villes, ils ont juste le strict minimum. Ils attendent toujours le dernier moment. Voilà. Alors ici, vous avez vu tout le sous-sol, juste à l'entrée à gauche, avant de sortir, pardon, vous aurez 3 douches. C'était ça aussi une monstre guerre avec l'État, avec la Confédération, parce que ça n'existe pas les douches dans les abris. Donc là, il a fallu un peu lutter, mais on les a gardés, c'est bien. Et puis ici dessous, maintenant, ce sous-sol, il n'est jamais prêté. Avant, on prêtait typiquement l'auberge de jeunesse ou
des groupes qui viennent skier ici, c'est exclu. Les seuls qui viennent ici dessous, mais pas dans cette partie-là, mais dans l'autre partie, ce sont les militaires, ceux de la patrouille des glaciers, parce que là, lui, c'est un copain, mais comme j'ai besoin des fois de son équipe pour faire certains changements au niveau des avancements en protection civile, donc on fait un peu comme à l'époque, le troc. Donc je connais quelqu'un qui connaît, donc ça c'est assez simple. Voilà. Donc là, c'est comme ça même. J'ai une question. Le contrôle des armées privées, en fait, ça se fait toujours. C'est une catastrophe. Ça, parce que dans les clubs, il y a tout ce qu'on veut. Ouais. Alors, la loi dit. Dans les meubles chez nous, hein. La loi dit chaque 5 ans. Ouais, ben nous, on n'a jamais vu 23 ans. Non. Moi, ça fait 23 ans que je fais ça, j'ai déjà fait deux fois, mais c'est une catastrophe. Oui. Alors, le problème qu'il y a, c'est que la première fois qu'on a fait, il y a 15 ans en arrière, Martigny, c'est 480 abris. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on fait? Alors on a dit, on fait. Au printemps, on va faire la planification, on va écrire aux gens qu'on va venir tel jour à telle heure, on vient faire le truc là. Tip top. La semaine où on fait le cours, c'est deux mois après, mois de mai, on a eu fait. On forme les gars lundi, on crée les équipes, allez, faites le travail. Ils arrivent au premier rendez-vous, le type il est là, il fait son travail, tip top. 8h30, il sort, il va au deuxième rendez-vous, la personne pas là. Voilà, ils attendent un moment, après ils vont boire un café. À 9h, il y a nouveau le rendez-vous suivant. Il va au rendez-vous suivant, il dit, rendez-vous pas là. Ils font, ils retournent boire un café. Et puis ils se sont trouvés au bout d'un moment avec... Dans une demi-heure. Oui, sinon c'est une heure. Non, je suis occupé, dans une demi-heure, ciao. Ah, c'est marqué taxi ici. Il faut l'amener à fuir, il faut la chercher à minuit, il faut l'amener ici, le matin, il faut la chercher là. Et après, il faut l'amener à compter. Non, mais c'est pas marqué, c'est bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ben, moi, je me suis fait prendre la partie par le patron de l'époque, parce qu'elle ne couche pas, facile à vivre. Comment ça se fait que tes gars sont sans un bistrot? Bon, stop, on arrête. On a eu sur les 480, on a peut-être eu 300 abonnés. Si on est contrôlé comme il faut, j'en sais rien. Donc après 5 ans, on a refait la combine, mais j'ai dit cette fois, on fait différemment. On est dans civil. Ça peut être mieux. On a eu un petit peu plus de résultats, mais est-ce qu'ils ont été? Je ne sais pas. Donc maintenant, eh ben, on est en train de se demander, c'est comment est-ce qu'on va faire? Donc la loi devrait changer d'ici, enfin devrait changer, devrait être un petit peu améliorée d'ici la fin de l'année, en disant tous les abris de plus de 25 places seront contrôlés. Donc 25 et plus. Alors 25 et plus, sur la ville, c'est plus 400. Bon, maintenant c'est passé 500 les abris. Je pense qu'on va redescendre à 150 abris. Donc là, on a un peu plus de facilité. Mais c'est pas sûr qu'on fasse. Parce que moi, dans la région, j'ai 2700 abris.